Bonjour à tous, vous êtes avec nous sur cette chaîne Le Congo est à nous. Aujourd'hui, en exclusivité ici à Kinshasa, nous sommes au ministère des Finances. Nous sommes venus rencontrer celui qui y a permis à ce qu'un projet puisse aujourd'hui devenir une réalité. C'est un rêve, hier personne ne croyait, il s'agit du centre financier de Kinshasa. Nous avons été sur le chantier, nous avons vu. Nous voulons que celui qui a initié, que celui qui a eu l'idée, puisse nous donner des détails, qu'il nous dise un peu les à côté, parce que nous avons beaucoup entendu. Nous ne voulons pas aller dans les spéculations. Nous voulons que lui-même nous explique. Comme ça, vous tous, vous pouvez avoir les pensées apaisées. Pour vous, nous allons recevoir le ministre des Finances, son Excellence Monsieur Nicolas Kazadi, que nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, frère. Bonjour. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être dans votre bureau. Alors, nous allons vite à l'essentiel. Vous pouvez nous parler de votre parcours en tant que personne arrivée jusqu'à ce niveau? Ça doit avoir un grand passé. Beaucoup de choses se sont passées. Dites-nous, parlez-nous un peu de vous. Mais écoutez, moi, je suis un enfant du pays, né et grandi ici à Kinshasa. Et je suis allé à l'étranger, comme beaucoup de nos compatriotes, pour les études supérieures, universitaires. Et ensuite, je suis revenu travailler en République démocratique du Congo, commençant par la Banque centrale du Congo en août 91, c'était mon premier travail. Et puis, je suis venu ici, dans ce ministère, comme conseiller financier en 94, entre 94 et 97, avec trois ministres des Finances successifs. Les ministres Pierre Paye-Paye, Gilbert Kyakwama et Marco Bangouli. Et ensuite, est arrivée l'aventure de l'AFDL, et donc je suis retourné à la Banque centrale, où nous avons également travaillé avec sous le nouveau régime dans le cadre de la réforme monétaire, parce que je suis d'abord un fonctionnaire de la Banque centrale, et donc j'étais dans l'équipe restreinte qui a conçu et mis en œuvre la réforme monétaire introduisant le franc congolais. Ouais. Et après cette expérience, j'ai été sélectionné à l'issue d'un processus long comme élève de l'École nationale d'administration française, qui est une école d'élite bien connue. Et donc, j'ai quitté la Banque centrale pour aller en France pendant 2 années, où je suis sorti de cette école en 2000. Et au sortir de cette école, je suis revenu à la Banque centrale. Le retour n'était pas heureux. Vous savez que dans notre pays, parfois on a l'impression qu'on n'aime pas beaucoup l'excellence. C'est une école d'excellence. Je comprends. Oui. Une école d'excellence où je suis allé parfaire ma formation après avoir déjà fait mes preuves à différents niveaux. Oui. Et mon retour n'a pas été comme je l'espérais. Et donc, j'ai dû quitter, après quelques mois, la Banque centrale. D'abord, j'ai été pris comme directeur général de la Chambre de commerce franco-congolaise. Et quelques mois plus tard, j'ai eu le privilège d'aller à la Banque africaine de développement. La BAD. La BAD. Et ensuite, le programme des Nations unies pour le développement. Donc, j'ai passé plus de 15 ans en expatriation dans ces institutions. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire, en Guinée, Madagascar, Togo, et je suis revenu ici après la victoire, après l'élection, juste après l'élection du président Félix Tshisekedi, après sa victoire, effectivement, parce que je suis venu après la proclamation des résultats, je suis revenu à Kinshasa pour rejoindre le président Tshisekedi, avec qui je cheminais déjà pendant toutes ces longues années. En disant ça, il y a... J'ai entendu que votre père, le professeur Jacques Kazadi, était proche de papa Étienne Tshisekedi. Oui, c'est des amis, je peux dire, d'enfance, parce que c'est tous des enfants qui ont grandi à Kananga. Ils se connaissent depuis, mais ma mère également, avec ma maman, depuis l'école, primaire. Mais surtout,
à l'université. Papa Étienne Tshisekedi venait, je crois, une ou deux années avant mon père, parce que c'était les premières générations des universitaires congolais. Et donc, ils étaient des étudiants mariés tous. Et donc, ils étaient voisins. Ils habitaient dans des maisons voisines sur le plateau des professeurs, là, le campus, juste au-dessus de l'école du Mont en bas. Mm-hmm. Il y avait ce qu'on appelait le camp des étudiants mariés. Et ils étaient voisins. Et donc, c'est une relation très ancienne. Et puis, ils se sont retrouvés en politique pendant la Deuxième République. Oh, MPR. Et pendant la transition démocratique, dans l'UDPS, et puis pendant la transition démocratique. Ah, tous les deux se sont retrouvés encore à l'UDPS. Oui, forcément, parce que vous savez que le mouvement UDPS, vous connaissez la force qu'il a eue. Ouais. Et donc, pendant les grandes années de conférence nationale, ils ont cheminé ensemble dans l'opposition. Mon père n'était pas très particulièrement actif dans l'UDPS, bien qu'il a fait partie de l'UDPS depuis le début. Dans la jeunesse. Mais il était proche de Étienne Tshisekedi. Et puis, voilà. Et donc, jusqu'à la fin. Et voilà. Mais moi, j'ai été plus actif dans le parti de manière plus continue. Donc, vous êtes enfant de l'UDPS aussi. Je suis un enfant de l'UDPS. Aujourd'hui, les parents, c'était hier, aujourd'hui... Vous, les enfants, vous continuez à lutter pour quel changement? On a commencé par un rapprochement naturel. OK. Naturel par la famille, par l'histoire. Oui. Mais mon rapprochement politique, le mien, s'est fait d'abord en 92, quand j'ai commencé à travailler. En 92, il y avait la marche des chrétiens. Donc étiez déjà... Oui, j'ai commencé à travailler en août 91. Et donc, nous avons tous suivi de près. Nous avons participé à la marche des chrétiens. Nous avons essuyé des balles. Moi, j'ai essuyé des balles à Yolo Ezo. Je me rappelle très bien. Et puis, la victoire de Étienne Tshisekedi le 15 août 92, c'est d'ailleurs le jour où je me suis marié, donc nous étions vraiment là-dedans. Et après, il y a eu... donc, moi, j'ai été recruté par mes valeurs, par mon professionnalisme, pour venir ici comme conseiller au ministère des Finances. Et en 98, quand j'ai quitté, je suis allé en France pour l'ENA. C'est là que je me suis réellement engagé dans le parti. Donc, c'est un ancien 98. Combattant aussi. Voilà, c'est à partir de 98 que je me suis réellement engagé dans le parti. En tout cas, c'est un parcours qui explique tout, le rapprochement, la manière dont vous travaillez. Ça, c'est un volet que nous allons exploiter plus tard. Vous êtes vraiment en train d'aider les chefs. Je vois que ce n'est pas seulement naturel, mais même dans la vision qu'il a, vous êtes en train de l'accompagner. Oui, parce que moi, je suis un homme de conviction. Dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, je sais, les gens... savent que je suis un homme de principe et de conviction. Et quand je fais un choix, c'est toujours un choix réfléchi, et je vais jusqu'au bout dans mes choix. Je ne suis pas quelqu'un qui change d'humeur ou de position tous les jours. Et donc mon engagement aux côtés d'Étienne Tshisekedi est un engagement total, permanent. Depuis que je me suis engagé, je n'ai jamais fléchi, je n'ai jamais cherché à aller voir ailleurs, parce que je suis un homme de conviction et un homme fidèle dans ce que je fais. Depuis avril 2021, vous êtes à la tête de ce ministère. Vous lancez un projet gigantesque comme le centre financier de Kinshasa. Parlez-nous un peu de la genèse de cette aventure. Eh bien, tout simplement que quand j'ai pris fonction dans ce ministère, que je connaissais déjà pour avoir été conseiller pendant environ 3 ans, oui. Et donc, j'estimais que ce n'était pas digne d'un ministère des Finances et qu'il fallait envisager d'être mieux logés en tant que cabinet du ministre. Comme on dit, il faut refléter l'argent pour attirer l'argent. Oui. Et donc, ici, on n'était pas digne. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques petits changements ici. C'était vraiment dans un état... Moi-même, je suis étonné de voir que le cabinet...
vraiment simple comme ça. Voilà. Waouh. Voilà, mais c'était vraiment très mauvais en plat. Avant que je n'arrive, on a mis du marbre. Il y avait un vieux tapis qui traînait là. C'était vraiment pas digne. Et donc j'ai fait ça parce que c'est la moindre des choses. Et ensuite, j'avais déjà l'idée de faire quelque chose, d'un bâtiment. C'est comme ça que quand j'ai constitué mon cabinet, j'ai prévu même un poste de conseiller en charge des projets immobiliers du ministère. J'avais déjà cette vision au moment où je prenais mes fonctions. Oh. Et ce poste de conseiller, la première mission que je lui ai confiée, c'est une dame, c'était de faire l'inventaire de tous les biens, tous les patrimoines du ministère pour voir comment on pouvait le valoriser pour avoir quelque chose de digne. Ce travail a été fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de patrimoine abandonné, mais qu'on avait quand même réellement un problème de place, d'espace, pas seulement pour le cabinet, mais y compris pour l'administration. Okay. Et donc, j'ai commencé à construire, concevoir mon projet. Au départ, je voulais faire essentiellement un immeuble, quelque part, qui servirait de siège du ministère, mais c'est en faisant que je me suis rendu compte qu'on pouvait aller voir un peu plus grand. Et progressivement, j'ai construit cela et puis j'ai associé le ministère du budget dans l'idée. Et puis, j'ai fait faire des esquisses. On a fait une évaluation. On a fait une première évaluation pour deux bâtiments. On était à peu près à 50 millions de dollars. J'avais la possibilité de restructurer un projet que nous avions déjà ici avec les Chinois. Et je voulais extraire de ce projet 25 millions de dollars pour commencer. Et pendant qu'on réfléchissait là-dessus, donc j'ai présenté le projet au chef de l'État, l'avant-projet au chef de l'État et au Premier ministre. Et le chef de l'État a tout de suite mordu, a dit « Oui, c'est une bonne idée, est-ce que tu auras les moyens pour le faire ?» J'ai dit « On est en train de se battre pour le faire, je pense qu'on pourra. » Et puis, en faisant, la première option a commencé à traîner, celle du financement par le projet chinois et en même temps, nous avons commencé à avoir de bonnes perspectives de recettes. Et donc, j'ai commencé à ajuster le projet en disant, bon, je pense que là, on a une capacité pour s'endetter, puisque les recettes augmentent, pour faire quelque chose de plus solide. Okay. Et on est passé à un projet un peu plus solide. Vous savez, là-bas, il y a deux grands projets. Il y a le projet ministère de Finances et du Budget, et puis il y a le projet Centre de Conférence. Oui. C'est deux projets différents. Et donc, on a commencé à concevoir le projet un peu plus élargi, avec à l'idée d'avoir le ministère des Finances, le ministère du Budget et puis l'administration de la DGRAD. Parce que la DGRAD n'a pas de bâtiment. Elle occupe un bâtiment qui est pratiquement un taudis, un bâtiment complètement détruit depuis toujours, avec des gros problèmes, ça suinte, il n'y a pas d'archives, les conditions sanitaires ne sont pas dignes. Et donc, je me suis dit, il faut que... La DGRAD avait déjà acheté un terrain quelque part, elle voulait construire un immeuble. Alors, j'ai dit, on va intégrer la DGRAD. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a monté le projet. Wow. Et on a donc négocié pour récupérer le terrain, le premier terrain qui est là, et pour que le récupérer sans devoir payer, on a fait un échange avec le bâtiment là où se trouve la DGRAD. On a fait une évaluation. Ça valait à peu près la même chose, une trentaine de millions de dollars chez les deux terrains. Et puis, on a fait un échange. Et donc, on a pris le terrain et eux, ils ont pris l'autre. Et ensuite, on a conçu le projet. Il y avait assez de place pour avoir les deux ministères et la DGRAD. Mais puis, le président avait toujours à cœur de faire un centre de conférence digne de ce nom, parce qu'on n'en a pas, à part le Palais du Peuple. Et en discutant, alors j'ai fait la rencontre entre-temps avec l'entreprise turque qui préparait, qui était venue en prospection en préparant la venue du président turc. Et ils nous ont convaincus qu'ils pouvaient faire le premier projet et même le deuxième. Combiné ensemble, et que ce serait à des prix intéressants, etc. et tout. Et donc, nous avons... c'est cette entreprise turque qui avait déjà rencontré le président lors d'un voyage en Turquie. Et donc très vite, j'ai saisi l'occasion, j'ai dit, bon, voilà, on va essayer de voir plus grand. Et c'est comme ça qu'on est allé, on a ajouté le deuxième projet, le centre de conférence. C'est ce qu'on a fait, on a monté, et puis le voyage du président Erdogan est arrivé, on a signé les contrats pour faire le projet, et après, il restait la question du financement. Nous avions déjà dans le budget de 2020... Sur ça, c'est là que je voulais poser une question. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Justement, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que
l'entreprise turque a dit qu'il y avait une volonté politique du côté turc de montrer ce qu'ils pouvaient faire. Okay. Et donc, ils avaient une certaine flexibilité sur le financement. On a convenu de leur payer 15% du montant en une fois, et puis des mensualités d'abord de 5 millions pour le premier projet, qui allait finir après la réalisation du projet. Et donc, sur cette base, ils ont démarré. Et ils ont dit, nous allons tout faire pour vous rendre au moins une partie du projet avant les élections. On était en 2022. C'était un grand défi. Mais pour cela, nous allons nous-mêmes préfinancer pour qu'il n'y ait pas de coupure. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être régulier dans les paiements que vous faites. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. Oh. On a été régulier dans les paiements qu'on faisait et eux, ils ont préfinancé et ils sont allés jusqu'au bout. Et au moment où nous parlons, c'est nous qui leur devons. Et nous allons solder cela bientôt parce qu'entre-temps, nous avons mobilisé un financement d'une institution financière pour justement apurer ce que nous leur devons, ce qui va bientôt se faire. Mais au moment où nous parlons, donc, ils ont été, parce qu'il y avait un engagement politique fort de la Turquie, du président turc, de montrer le savoir-faire turc en RDC et de renforcer la relation économique et commerciale. Et donc, ils se sont donné les moyens de terminer. Excellence, comment vous arrivez à faire ça? Parce qu'au Congo, ce genre d'engagement, on ne respecte toujours pas. Ben justement, vous payez chaque mois régulièrement et les travaux... On m'a dit là, c'est 11 mois. Oui. Ce travail-là, ça m'a dépassé, je n'ai pas compris. Mais c'est dans un contexte général. Hein. C'est dans un contexte général où moi, j'étais arrivé aux affaires un an plus tôt, en avril 2021, et par ma politique, par mon action, ma réputation m'a précédé. Que j'étais quelqu'un de rigoureux, qui tenait à respecter sa parole. Et ces éléments-là ont bâti la confiance auprès du Turc. L'opérateur turc l'a dit, il me le répète tous les jours. C'est aussi parce qu'il avait confiance au président de la République et en moi, dans mon engagement pris. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'être sérieux, ça paye toujours. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cela. Et aujourd'hui, cet opérateur turc a des ambitions énormes pour la RDC. Il a beaucoup investi. Il a amené des équipements pour près de 80 millions de dollars, des équipements rares, parce qu'il a d'autres projets, etc. Il va finir le mois prochain un projet de 1000 maisons sociales qui sont en cours, là. 1000 maisons sociales qui seront bientôt livrées. Les Congolais ne sont pas au courant de ça. Mais non, on a préféré ne pas faire trop de bruit parce que les gens, on fait beaucoup de promesses, et puis les gens ne voient pas. On va surprendre. Voilà. Et les 1000 maisons sociales seront livrées fin novembre, et inaugurées par le chef de l'État. Et des maisons normales. Des maisons toutes finies, équipées, avec la voirie dedans et tout. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça bientôt. Donc, et en plus, le président lui a demandé de faire l'aréna sportive pour les jeunes. Donc, on aura une aréna sportive juste à côté du stade des Martyrs. De 20 000 places, une aréna de classe internationale. Notre pays va commencer à abriter des grands championnats internationaux parce que nous avons les infrastructures qui sont en train de se mettre en place. Alors l'aréna sportive est là. On a déjà les investissements qu'on avait faits pour la francophonie. Tout ça ensemble va faire de notre pays un pays attractif pour organiser des championnats. Il faut juste que les hommes soient à la hauteur en termes de sérieux, de planification et d'organisation. Et tout le monde voudra venir en RDC. Nous, on nous dit que les trucs là, c'est votre argent privé, vous couvrez seulement l'État là-dedans. Quel truc? Les centres financiers. Non, mais moi, où est-ce que je pourrais attraper cet argent? Le ministre est trop riche. Non, la vue des Congolais est très petite. 290 millions de dollars, j'aurais ça où? Ah, les projets 290 millions de dollars. Oui, j'aurais ça où? Pour combien de bâtiments? Pour en total environ 5-6 bâtiments, il y a pour environ 100, mettons presque 160 000 mètres carrés. Ok. Donc ça fait moins de 1800 dollars le mètre carré. C'est du jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Et une bonne partie. L'immeuble intelligent nous a pris beaucoup d'argent. Il a pris plus de 60 millions de dollars pour pas grand chose. Et une bonne partie de ces bâtiments seront totalement meublés. Meublés. Mmh. Tout est déjà inclus dans... Tout est déjà même ici. Meublé, tout ça. Tous les bureaux, finances, budget seront meublés.
Il y a l'appartement de fonction du ministre de Finances et des Budgets meublé. Il y a le centre de conférence là-bas totalement meublé, avec des caméras, des écrans sophistiqués, de la meilleure technologie. Donc, c'est autre chose. Et en plus de ça, il y a un autre bâtiment, toujours dans le même budget, qui est dans l'ancien terrain de la DGRAD qu'on avait acheté sur l'avenue des Cliniques. Ouais. Il y a un autre bâtiment de 15 étages qui sera le siège de l'Office des routes. Parce que le centre de conférence, on a pris ça, c'était le terrain de l'Office des routes. Oh. Et donc, on a, en échange, on a donné notre terrain de DGRAD et on fait un bâtiment de 15 étages qui sera le siège de l'Office des routes. Juste à côté là. Juste à côté là. Donc, vraiment, c'est gagnant, c'est tout gagnant. Monsieur le ministre, ça, c'est impressionnant comme initiative, surtout à ce niveau de réalisation. Au nom du peuple congolais, nous vous disons merci. Merci. Et avant de clôturer, nous voulons juste savoir quelles sont vos ambitions à court, à moyen, à long terme. Mon ambition, elle est liée à mon plan de travail en tant que ministre des Finances. Malheureusement, mon contrat de travail se termine avec ces élections, si je peux dire. Mais j'espère simplement que celui ou celle qui continuera après continue ce qu'on a commencé. On a un plan de réforme extrêmement ambitieux, de réforme des finances publiques, de digitalisation. Vous savez que dans le centre, là, il est prévu qu'il y ait un data center qui sera le plus grand data center du pays. D'ailleurs, c'est deux data centers, un qui est là-bas, mais ça, c'est financé par un autre projet. C'est le fameux projet des Chinois, là, avec Huawei. Ah, Huawei, oui. OK. Alors, il y aura un data center qui sera là, sur le site, et un autre qui est déjà fini, que nous allons inaugurer la semaine prochaine au retour du Premier ministre, qui est le backup, comme on dit, qui est un Galiema qui va exactement garder toutes les données en backup. Nous avons vraiment un grand plan de modernisation. Un grand plan de modernisation. Vous savez que la digitalisation de toutes les personnes physiques va démarrer le mois prochain avec les nouvelles cartes qui vont être émises. Donc, les cartes d'identité. Oui. Et donc, on aura. Ce projet est en fait. Il est réel. Réel. Il est réel. Le contrat vient d'être finalisé par le Premier ministre. Donc, on aura. D'ici un an, on parlera différemment. Vous et moi, nous tous, nous aurons un numéro fiscal unique. Ça, c'est comme le Social Security. Voilà, comme Social Security chez vous. Ou chez nous, oui. Donc, quand vous avez un problème. Oh mon Dieu. Vous avez un problème à la banque, vous avez un problème santé, vous avez un problème ici, votre numéro, là, on sait vous retracer. Et les impôts. Mind blowing. Et ça, c'est vraiment, on est en train d'entrer dedans. Donc, on aura quelque chose de nouveau. Donc, il fallait une infrastructure à la hauteur. Et nous allons accompagner le personnel, que ce soit le personnel du cabinet ou de l'administration, pour qu'il soit à la hauteur et digne de ces infrastructures en termes de capacité de travail. Nous sommes en train d'entrer dans une autre dimension et ce que je souhaite, c'est que ça ne s'arrête pas, que ça continue. En tout cas, merci beaucoup, Excellence. Moi, j'ai un sentiment de joie et je ne sais pas comment exprimer parce que vous faites quelque chose, vous venez de le dire que votre contrat se termine avant de commencer les élections. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas revenir ministre des Finances, mais on n'a pas des gens comme vous dans ce pays. Les gens qui sont ici, il faut que lui soit bénéficiaire de la chose. Non. Vous construisez quelque chose que vous-même, vous n'aurez même peut-être pas l'occasion d'avoir un bureau là-bas. Voilà. Vraiment, c'est... Mais on travaille pour le pays et pour l'avenir. On travaille pour une grande vision. Et nous avons la chance d'avoir un président qui porte cette grande vision. Et donc, nous ne devons pas rater cette opportunité historique. Et moi, je vais faire ma part à mon niveau. Et j'espère que ceux qui viendront après ajouteront plus. C'est tout. Chers amis, aujourd'hui, vous étiez en direct ici au ministère des Finances. Voilà les hommes auxquels le président Tshisekedi a besoin. S'il y en a 10 comme lui, ce pays va aller très loin. Ça, c'est le chairman et le CEO de Milvest qui me l'a dit hier. Il a dit, l'homme que vous allez rencontrer demain, il est exceptionnel. Si le président Tshisekedi en avait 10, c'est fini pour ce pays. Voilà, vous venez d'entendre
un projet dans lequel lui-même ne va pas bénéficier. Il le fait pour des générations qui viendront. C'est des hommes qui ont porté la vision du chef de l'État. Des hommes qui ont marié les rêves à la réalité. Beaucoup disent, beaucoup de promesses, nous avons besoin de réalisations. Voilà l'une des réalisations que Tshisekedi en tant que président peut montrer aux Congolais. Parce que c'est lui qui est le visionnaire. Voilà les hommes qui ont poussé les projets à la réalisation et nous ne pouvons que leur dire merci du fond du cœur et dire à tous les Congolais, voilà les hommes que vous devez soutenir, voilà les hommes que vous devez... Moi, personnellement, je ne les connaissais pas avant. J'étais aussi, comme tout le monde, qui pouvait parler mal. Mais aujourd'hui, je suis à la source. Ce qu'il dit là, ce n'est pas un montage. C'est lui qui dit et je suis à côté de lui. Merci encore une fois. On se retrouve prochainement sur un autre numéro. Nous allons parler de la performance et d'autres sujets qui concernent notre économie et surtout les projets d'avenir. Merci et à très bientôt. Au revoir.